Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une société qui a été identifiée par le bureau de recherche, qui s'appelle Tractor Supply. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une entreprise américaine spécialisée dans la distribution de produits destinés à la vie quotidienne des ranchs. C'est une entreprise qui est composée de 7000 magasins aux États-Unis et qui réalise un chiffre d'affaires de près de 7 milliards de dollars. L'entreprise Tractor Supply a mis en place une stratégie résolument orientée client. Premièrement, ils ont mesuré l'insatisfaction de leurs clients qui était l'indisponibilité de certains produits en magasin. La réponse de l'entreprise a été de créer des bornes dans les 7000 magasins aux États-Unis permettant ainsi aux clients de commander sur la borne avec la garantie pour ces derniers d'être livrés dans moins de 48 heures. Deuxièmement, l'entreprise a créé un club de fidélité avec une carte qui s'appelle le Members Club qui a pour objectif d'augmenter la fidélisation de leurs clients en leur permettant d'avoir accès à des services complémentaires et en créant un véritable attachement à la marque. Enfin, la société privilégie le recrutement de ses conseillers auprès d'anciens clients, l'objectif étant d'affiner et de connaître les attentes de ces derniers. La société a également recruté des data scientists avec pour objectif de connaître véritablement ses clients, avec pour objectif de personnaliser leurs produits, de personnaliser leur offre et de créer une véritable expérience sur mesure. Nous sommes convaincus que les sociétés traditionnelles, à l'image de Tractor Supply, vont, dans un monde qui se digitalise, réussir à ériger des barrières à l'entrée très fortes et à gagner des parts de marché sur leurs concurrents en ayant une stratégie client très forte. Tractor Supply, qui est un actif client très solide et très bien géré, qui est agnostique sur les différents canaux de distribution, est aujourd'hui une société que nous voulons avoir en portefeuille. Vous retrouvez cette entreprise dans le fonds Trust Team Rock, Action Internationale.